Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Montoine Gabriel. Gabriel. Oui. Et vous étudiez ici à l'INA? Oui. Vous êtes en quelle année? Je suis en préparatoire B. En préparatoire. Oui. Et c'est quoi préparatoire? On apprend quoi en préparatoire en fait? Bon, dites-moi. En préparatoire, nous apprenons certaines bases de la musique classique. Parce que la musique a de normes appropriées. Et dans la musique classique, nous apprenons comment lire la portée musicale. Et donc, la portée a 5 lignes et 4 interlignes dans laquelle sont placées les notes musicales. De musique. Ok, magnifique, bien répondu. Alors, est-ce que vous apprenez donc les bases de la musique classique? Est-ce que dans le programme, votre programme académique, est-ce que vous apprenez aussi notre musique à nous, entre autres la rumba? Parce que dans notre musique, il n'y a pas que la rumba. Hein? Est-ce que, entre autres, vous apprenez la rumba? Non, présentement non, parce que nous apprenons d'abord, parce que chacun a son instrument. Il y a d'autres qui font la voix et d'autres font la guitare et le piano, ainsi de suite. Maintenant, la musique classique va te permettre de jouer n'importe quel style, parce que ça te permet d'arranger la doigté. Quand vous avez une bonne doigté, ça vous permet d'affronter n'importe quel style, pardon, que ce soit la rumba ou d'autres. Donc c'est un peu ça. Ok. Et il y a des niveaux où on apprend la rumba, niveau supérieur, ou ici à l'INA, il y a des étudiants qui apprennent la rumba. Okay. Des étudiants de quel niveau? Bon, au niveau de troisième et la licence aussi. Troisième, c'est donc graduat et la licence. Et là, la rumba, on commence à injecter la rumba dans le cursus. Donc, ils interprètent des œuvres maintenant, par exemple, les œuvres de Tumba, par exemple, et nos artistes. Ok, des artistes du Congo. Qui ont brillé. Et vous, personnellement, ça vous intéresse d'apprendre la rumba? Oui, effectivement. Avez-vous des références de noms d'artistes de la rumba que vous aimeriez bien apprendre, qui sont pour vous des modèles, par exemple, modèles artistiques, je veux dire. Hein? Qui, par exemple? Bon, j'aime Papa Lutumba, parce que personnellement, j'aime la guitare. Okay. C'est mon instrument préféré. Oui. C'est la raison qui m'a amené aussi ici à l'INA. Et je crois bien jouer, pas comme lui, mais peut-être à proximité de cette icône-là. À part Lutumba, il y a un autre artiste? Bon, à part Lutumba, il y a aussi... Dans des guitaristes. Cédric. Cédric comment? Il s'appelle Cédric Beethoven. Qui joue dans un groupe ici au pays? Oui. Et quand on vous cite par exemple des noms d'artistes tels que Nico, Damoiseau, des noms tels que Docteur Nico, tels que de Givano, Vango, tels que de Dizzy Manjeku, tels que de Bavo Marie Marie, vraiment. Ça vous dit Franco? Oui. Pepe Feli Manuaku? Bien sûr. Ok, Makaba. Oui, Alain Makaba. Ok, voilà. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Le plaisir. Ça va? Pour moi. Merci.